Le voici. Racinger. Qui fera la montre cette année pour la première fois? Warad Cercy, présenté ici par le nouveau patron, Philippe Thiriet. Voilà un vrai cheval de course, un cheval très dur qui a eu l'immense mérite de remporter plusieurs courses de groupe sur le mile, mais surtout de parvenir à faire le leader pour un cheval qui s'appelait Tamayous, gagnant du prix Jacques Lemarois. Il faisait le leader pour ce cheval Tamayous. Les deux chevaux étaient entraînés par Fred Liet. Et de revenir, après le fait que Tamayous soit parti étalon, de revenir à courir pour son compte et de regagner un groupe faisant preuve d'une combativité exceptionnelle. C'était à l'occasion du prix Quincey, disputé sur la ligne droite de Deauville. Donc un vrai cheval de course très dur, un fils de Spectrum. Le seul fils de Spectrum qui fasse sa montre en France. Un étalon intéressant en Angleterre avec une mère par Kendor. On connaît l'influence extraordinaire de Kendor en France, le père de Ken d'Argent, mais aussi d'un étalon qu'on va voir tout à l'heure qui s'appelle Vrai Risque. Et donc ce Racinger a commencé sa carrière de cheval de course sous la casaque de Monsieur Corral et l'entraînement de Freddy Head. Il a remporté 4 courses de groupe 3 au total. Il avait été acheté pour la somme de 650 000 euros par le Cheikh Hamdan Al Maktoum sur le ring d'Arcana, aux ventes de l'Arc. Et c'est par ailleurs le frère de Corey Caminos, gagnant de groupe 1 à l'occasion du prix Ganet, et le frère de Récital, gagnant de groupe 1 à 2 ans dans le critérium de Saint-Cloud. Donc une origine en béton, pour être clair, un cheval de course en béton, et un étalon qui va attaquer sa troisième saison de monte. Il est très racé, comme vous pouvez le constater, et bon, je connais bien ce cheval parce qu'il a commencé la monte au Lion d'Angers, et il donne cet aspect racé, cette finesse dans le trait assez produit. Voilà pour Racinger.